So, Patrick, you said you had not seen the film in a long time. What are your feelings, sentiments now? Ouais, ça fait quelques années. J'ai pas changé de chemise, en tout cas. Je viens de me rendre compte que j'ai la même chemise que dans la dernière scène. It's been a few years and I just realized I haven't changed shirts. I'm wearing the same shirt I had in the last scene. Voilà. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder le film. Je mets toujours un peu de temps avant de voir les films. I have to say, I really took a lot of pleasure from watching the film. I always take a while to see my films, but I really enjoyed it. Non, c'est vrai d'abord, c'est incroyable que ce film ait 25 ans. La couleur, c'est pas parce que c'est du sépia, parce que c'est vieux, et la pellicule usagée, mais il y a un vrai choix artistique. Et il y a une vraie qualité, et il y a du fond dans le film, et ça se ressent aussi par l'image. So it's incredible that this film is 25 years old, first of all, but I have to say the color of the film is not because it's celluloid and it's sepia and it's old, it's a real artistic choice, and this is a film that really has a profound content. Voilà, pour une comédie, c'est assez rare comme ça, on a toujours l'impression qu'il faut éclairer beaucoup et qu'il faut que tout ça crache, et là on a un quatuor à cordes. Et on est vraiment dans des contrastes comme ça. Et le fond, tout ce qui est dit est tellement d'actualité, c'est terrible. You know, it's rare for a comedy. Usually you're meant to have such bright lights, but here we have this relative darkness, we have a string quartet, and especially the content of the film. It's so much what we're still experiencing to this day, it's really terrible. I mean, it's true, the difficulty in comedy to have meaningful comedies, you know. Oui, c'est un genre de comédie. C'est vrai que Colin Serrault, que je continue à voir, Vincent Lindon, qui depuis a eu une palme aussi au Festival d'interprétation à Cannes. Yes, it's true, it's a certain kind of comedy with Colin Serrault, who I still see, Vincent Lindon, who since then has won the Best Actor prize at the Cannes Film Festival. Et on a en tout cas eux, je trouve qu'ils ont pas changé quoi. On a toujours cet esprit comme ça, et quand on se voit, on est toujours aussi révolté et on rit beaucoup, mais toujours à base de drame. And I don't know about me, but in any case, the two of them, who I still see regularly, I feel like they haven't changed at all. We still have the same spirit. When we see each other, we're still as rebellious, we're still as angry, we're very into humor, but it's always based on a certain kind of drama or tragedy. Voilà, on l'exprime d'ailleurs tous chacun de notre côté, puisque Vincent, c'est dans des films dramatiques, qui sont pas des comédies, mais qui sont sociales, et qui est déjà là, qui existe déjà là. We all express this in different ways, in our own ways. Vincent, for instance, is doing it in serious films that are not comedies, social films that are based on realities that exist. Et Colin Serrault, qui est toujours dans son univers, qui n'a pas bougé. On pourrait dire qu'elle ressemble un peu au personnage de fin, qui est là, comme ça, où on la voit, toujours très chevelue, comme ça, et dans cet univers, avec... cette rigueur absolue. And Colin Serrault, who hasn't changed a bit, she's still completely in her world, and you could say that she's a little bit like the character at the end of the film, you know, she's there with all her hair, so rigorous, so straight in her way, and in her own world. And then there's quite a few themes in this film that she actually uses, I mean, tackles later in films, I think, yeah. Oui, bien sûr, puisque c'est toujours un regard social. Et ce qui est terrible, par exemple, en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui la mine aussi, puisque la scène où Michou dit qu'il est raciste est beaucoup reprise, et on ne sait pas par qui, puisqu'elle est sortie du film. Donc, il y a vraiment une façon aussi incroyable, quand on sort cette scène,
de pouvoir faire exprimer, de dire voilà, vous vous êtes, et c'est le propos populiste, vous vous êtes du bon côté, donc évidemment vous avez la morale avec vous, et moi qui dois supporter les étrangers, qui dois ne pas avoir de logement, pas de place dans les écoles pour mes enfants, évidemment moi je n'ai rien à dire, et comme il dit, il faudrait en plus que je sourie. Donc cette scène qui est au contraire faite, elle refusait toujours de séparer cette scène, aujourd'hui reprise dans les réseaux sociaux, et pas toujours dans le bon sens. Yes, you're right about her later work, because Coline Serrault has retained this very social vision, and at the moment there's actually something that is really disturbing her a lot, which is on the social networks, people are taking the scene in which my character, Michou, in this film, says that he's racist. They're posting it online, and we don't exactly know who's doing it. But when you take that scene out of context, and you have this character saying, you're always on the right side because you have your bourgeois morality, but as for me, I'm the one who has to struggle to find an apartment, etc. When you isolate it, you have a real populist discourse, and this is something that Serrault had always refused to do, to take that scene out of context. So to now have it on social networks like this is very disturbing. Elle a vraiment un regard d'anticipation. On est dans un film d'anticipation. Et que ce soit la vache folle, qui n'existait pas avant le film, ou la grippe aviaire, encore moins, ou même quand ça faisait rire, parce que quand je les vois monter sur la montagne, c'était assez costaud d'ailleurs, et on était chacun dans notre rôle, on était bien dans le rôle, et de dire on est les rois du monde, c'était avant Titanic. Coline Serrault is someone who's always in her films anticipating. She's always ahead of things. She's speculative. You know, when this film was made, we hadn't had Mad Cow yet. We certainly hadn't had bird flu. And in fact, I was laughing when I was watching this film, seeing when we went up on the mountain, you know, which was pretty tough. And the two of us were really in our roles. We were really doing it. And we get up there and we say, we're the kings of the world. And this is before Titanic. And Patrick, how did you get involved in these films? You had you worked on several films beforehand, but that's the first big films for you, which really I think showcase your talent and your humor and your physical presence. Yeah. Alors c'est une drôle d'histoire, parce que un peu comme quand elle parle, quand elle fait dire à Michou, quand Victor dit à Michou que c'est pas la peine, de toute façon il échoue, parce que c'est mieux qu'il échoue, comme ça il a l'impression d'avoir, c'est mieux de ne pas faire, comme ça il n'aura pas l'impression d'échouer. Voilà, c'est ça, c'est comme si c'était un choix. So, it's quite a funny story. In a way, it's a little bit like when Vincent Lindon's character Victor says to my character Michou, you know, it's better if you don't try, don't bother to try, because that way you don't have the feeling that you failed, as if that was a choice. Quand j'ai lu le scénario, on m'a envoyé le scénario, je passais un casting parmi beaucoup d'acteurs. Tout Paris passait enfin toute la France d'ailleurs, pourquoi Paris? So, initially I got the script and I did a casting session, and at the time, all of Paris, in fact all of France, was auditioning for this film. Et quand je suis arrivé là-bas, enfin, j'ai lu le scénario et je venais de rater déjà un casting. J'aimais pas les castings, j'aime pas passer les castings, c'est comme ça. Je faisais beaucoup de one-man shows, de stand-up. So, when I did the audition, I had just failed at another audition. That's just the way it is. I don't much like auditions. At the time, I was mostly doing stand-up, I was doing one-man shows. Et j'étais très triste. Alors, tout d'un coup, plus je lisais le scénario, plus je disais, mais c'est fou, c'est génial, quoi. J'étais ému, je disais, mais c'est le rôle de ma vie, quoi. C'est une proposition incroyable. So I was very sad about having missed this other opportunity, but once I got this script, I was reading it, and as I was going through, I was like, this is crazy, this is so great, I was also very moved, this is the role of my life. C'est d'une précision, c'était écrit comme c'est là, quoi. On a beaucoup répété, mais
Ce qu'il faut savoir, que quand je suis arrivé, j'avais tellement peur de rater que j'ai été très mauvais élève. C'est-à-dire, je vais vous raconter. So, the script was so precise. It's exactly what you saw on the screen. We really had to rehearse a lot. But anyhow, I showed up at the audition and I was so nervous that I was like the worst pupil ever. I'm going to tell you. Donc, j'ai été très voyou en fait. J'ai dit que j'avais pas fini le scénario. In fact, I was like a thug. I told her I haven't finished the script. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que, comment tu vois Michou? J'ai dit, c'est un parasite. She asked me, what do you think of Michou? What do you think of your character? And I said, yeah, he's like a parasite. Il profite de tout. Je connais ce genre de d'énergumène, mais voilà. Elle me dit, mais il est gentil quand même. On sent une naïveté, on sent du cœur. Je lui dis, oui, pas particulièrement. Ces gens-là ne me touchent pas. I said to her, you know, he takes advantage of everyone. I know that kind of phenomenon, that kind of person. And she says, yeah, but he's nice too. You know, you can feel that he has a heart, that he has a kind of naivete to him. And I said, yeah, maybe, I don't know. I those kind of people really don't move me. Et donc elle me dit, ok, très bien, on va faire des essais. Je dis, d'accord. Elle me fait lire, je lis comme ça, j'envoie tout. So she says, okay, fine, let's do the audition. I say, okay. So I read the thing, I give it everything I've got. Et elle me dit, okay, merci. Je sors, et là je me dis, je suis un gros prétentieux, quoi. So she says, okay, thank you very much. I leave. And there I tell it myself, man, I am one hell of a pretentious guy. C'est-à-dire que je suis génial, mais que elle ne le verrait pas. And what I think to myself is, man, I am so great, but she won't be able to tell. Donc là, j'ai réalisé la merde dans laquelle j'étais, quoi. So there I realized the shit that I was sinking into. Et j'ai téléphoné à la dame du casting, Mamad, et je lui ai dit, je sais que ça se fait pas, mais je lui ai rien donné. On fait pas repasser un casting, personne fait repasser un casting. Et est-ce que je pourrais revoir Colin Serrault? J'ai honte, quoi. J'ai vraiment rien donné, c'est nul à chier. So I called up the casting agent, Mamad, and I told her, look, I know you don't do this kind of thing. No one does this kind of thing. You can't do an audition a second time. But is there any way I can see Colin Serrault again? Because what I did was pathetic. I really didn't give it my all. Can I see her again? Alors, elle a appelé Colin Serrault. Elle m'a rappelé. Elle a dit, non, ça va. Colin Serrault a dit que ça allait, quoi. Mais c'est pas le personnage, quoi. So she called up Colin Serrault, and she called me back, and she said, no. You know, Colin Serrault said, it was fine, but it's not the character. Et un mois plus tard, elle avait continué de chercher des Michou. Colin Serrault m'appelle, elle me dit, bon, tu veux repasser le casting? Ok, moi je viens du cirque, quand on tombe du trapèze, on remonte tout de suite, viens me voir. A month later, Colin Serrault had continued looking for Michou all over the place, and a month later she calls me up and she says, you want to do it again? You want to see me again? Okay, I come from the world of the circus. In the circus, when you fall off the trapeze, you get right back up. So come back. Et dans la nuit, j'ai appris le rôle. Et quand je suis reparti, j'ai passé le casting. Je connaissais par cœur. Et je faisais exactement ce qu'elle me disait. On allait, ben, on essayait en haut, en bas. Je me serais accroché au rideau pour. Et le soir, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, t'as bien fait, c'est toi. So, that night, I learned my lines perfectly. The next day, I went, I knew everything by heart. I did the audition, I did whatever she asked me to do. I went up, I went down, I would have climbed up on the drapes if she had asked me to. And that night, she called me up and she said, you did a good thing, you're it. C'est incroyable parce que dans cette vie, c'était le plus mauvais moment pour que ça tombe pour moi parce que j'avais un one-man show, un stand-up qui marchait bien, qui commençait vraiment à marcher. Et donc la barbe que j'avais pour jouer Michou pendant la journée, le soir j'avais cette barbe avec ses cheveux crépus, et le soir je plaquais les cheveux,
et j'avais mis un smoking pour faire croire que c'était de la barbe de crooner. So it's funny in this life because at the time it was the worst possible time that I could have gotten this part, because at that moment I had a one-man show, a stand-up show that was just starting to take off and was really working. So during the day I was playing Michu with his beard and his big hair, and at night I would go do my show and I would slick back my hair and I would wear a tuxedo to try to make it seem like the beard was a crooner's beard. And since you first and foremost, you're also a writer, because that's how you started. You wrote a one-man show, that's how you started. Did you feel in these films that you wanted to participate in the lines, or was it actually did Colleen Serrault knew exactly what she wanted you to be and to do, or? Non, on a absolument respecté le texte à la virgule près, et il n'était pas question ni d'improviser, ni de proposer. On a répété ce qui se fait peu au cinéma 8 semaines avant le film. No, we respected the script to the letter. We did not ever improvise, we did not ever propose any changes. We rehearsed, which is very unusual in cinema, for 8 weeks before the film started to shoot. Et c'était de la musique. C'était et c'était vraiment avec de la musique, et quand elle avait cette musique, après il fallait la vivre. And it was really like a musical partition, you know, I was doing all of this, etc. It was really music, and when she proposed the music, then my job was to live it. C'était 40 prises pour quand on était avec le violon. Vous vous rendez compte, la scène du violon, paf, ça casse, paf, ça. Ah oui, là, oui, là. Et quand la pauvre fille, parce que qu'on était devant ou derrière, de dos ou de face, même musique, même rigueur, même force. For instance, often there would be takes, there would be shots that we would do 40 times, 40 takes, like the scene with the violin, you know, and the poor girl playing, whether we were shooting from in front, from the side, from behind, from above, she always had to play the same music over and over, always had to get it right. And I... Et je rigole parce qu'on a eu des fous rires vraiment avec Vincent, où on faisait rater la pauvre fille qui avait toute cette tirade, parce que nous, on n'arrivait pas à faire « Ah oui, là, ah oui, là !» Et c'était non, « Ah oui, là, ah oui, là, ah oui, là, ah oui, là !» Et la pauvre se retapait toute la tirade. Paf, le violon, paf, le violon, ah oui, là, ah oui, là. And I'm cracking up because I'm remembering that at the time, Vincent Lindon and I would lose it and start laughing because we wouldn't get our ah oui, là, or ah oui, là at the right place, and then the poor girl would have to go through the whole monologue again. It's actually, it's interesting that you bring in music. And because it is very well choreographed, there is so much going on, it's constant crisis. And so it must not have been easy for her to shoot all of these scenes. You know, I was thinking the scene with the family and all the children coming in and... C'est une vraie mise en scène de théâtre ou d'opéra. J'ai failli jouer à l'Opéra Bastille avec Colleen. Malheureusement, au dernier moment, j'ai eu un empêchement. J'ai eu mon propre film qui m'a empêché. Mais elle fait aussi de la mise en scène. Je devais faire un spectacle avec elle à l'Opéra Bastille. Et c'était un rendez-vous raté, manqué en tout cas. It's a real direction that you would see in the theater or at the opera. Real mise en scène. And in fact, Colleen does direct for the theater and the opera. And I was supposed to do an opera with her as a show at the Opéra Bastille. And unfortunately, at the last moment, I wasn't able to do it because I had my own film to direct. Et si pour rentrer un peu dans la technique, juste de donner une idée, je n'ai jamais revécu ça depuis, c'est sa technique. On arrivait le matin, on répétait la scène dans un silence absolu, vraiment tous les techniciens autour, et elle mettait en scène, tac, 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 tac. On n'était pas maquillés, pas en costume. Après, on partait se maquiller en costume. Le chef opérateur faisait les lumières. Et après, c'était toute la journée.
on n'arrêtait plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de possibilité d'arrêter pour faire les lumières, puisque toutes les lumières étaient faites, il n'avait qu'à réajuster. Just to give you a little bit of an idea about the technique, and this is something that I've never experienced since in movie making, the way it would work with Codeine is we would arrive in the morning and we would rehearse everything with no costumes, no makeup, and all the technicians would be standing around and she would direct everything. We would go through everything. And then at a certain point, we would go to get our makeup done and put on our costumes. And while we were gone, the director of photography would set all the lights. And then when we came back, we would go all day long without stopping. We would never stop because you never had to change the lights anymore. You just had to make adjustments, but we would go, go, go all day. La scène du train, c'est à un moment, je suis dans, il y a Vincent, et je lui raconte que ma famille, mon frère, sa soeur, sa femme est malade, il a le cancer et tout ça, je raconte. Moi, je jouais à Paris le soir au théâtre. On allait avec le train, donc on, comme ça, 4 heures de train, on allait à Nantes, et on fait la scène. Et à un moment, on a fini 40 par grosseur, a lot of time. So, the scene in the train, for instance, you know, I'm telling Vincent all the stuff about my family, my brother, my mother, cancer, all of that. At the time, I was acting on stage at night in Paris. So we would get on the train and we would go 4 hours in the direction of Nantes. And sometimes we would do 40, 50 takes. And à un moment, elle se met à filmer les rails. Les rails qu'on voit à un moment. Donc je regarde là, et elle filme les rails. So at one point, Codeine Serrault started to film the railroad, the actual rails. And I'm looking, and she's filming the rails. Et je m'endors. Et je dors. Et elle dit, bon, bah, on va filmer au retour, on va refaire la scène. Et tout le monde lui dit, non, c'est pas possible, parce que, tu vois, ce sera pas d'accord avec le sens du train, les reins. Et elle dit, mais comment c'est pas d'accord? Et je m'endors sur cette discussion. So, I fell asleep, and I just hear Codeine saying, okay, we're going to shoot the scene again on the way back to Paris, and everyone is like, no, no, that's not going to work because it's going to be a bad cut because the train's going to be going in the other direction. And Codeine is like, but what do you mean it's not going to cut together? And I fall asleep. Et là, j'entends Patrick, Patrick, Patrick. Et là, je me réveille et il me dit, on va tourner. J'ai dit, mais je croyais que c'était pas possible. Et je regarde, elle avait fait renverser tout le wagon. Tous les sièges étaient dévissés et revissés dans l'autre sens. Et là, je l'ai haï. Je l'ai détesté. Je l'ai regardé avec de la haine. J'aurais pu la tuer peut-être, je ne sais pas. Et tout le monde a vu ça, elle aussi bien sûr. Et l'ingénieur du son est venu et m'a dit dans l'oreille, je sais, mais ce qu'on voit, c'est vachement bien, tu sais. Et ça m'a redonné la force et on est reparti dans l'autre sens. 4 heures de ma femme, elle a le cancer. Et bah oui, je dis pas ça pour vous embêter, j'ai eu tort. So, I'm asleep and I hear Patrick, 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 and I open my eyes and say, okay, it's good, we're going to shoot again. And I'm like, but what do you mean? I thought you said it wasn't going to cut together. And I look around and I realize that Codeine had the entire train car turned around, all the seats removed and turned around, so that we could do it. And in that moment, I hated her. I detested her. I maybe could have killed her. And she could see that. Everybody could see how mad I was. But the sound engineer came over to me and he said, I know it's really hard, but what we see on screen is so good. And that gave me the strength to go on. And we shot for another 4 hours in the other direction. That's a great story. Yeah, that's good for you. Let's take questions from the audience. If you want to raise your hand, there are microphones on the aisles that we'll bring to you. Towards the top. Bonsoir et merci. Moi, je voulais vous poser une question. C'est un film qui a été fait il y a 25 ans et les sujets abordés
sont d'actualité. Que pensez-vous de l'événement Le Pen combiné avec l'événement de Trump? Et que diriez-vous à Jamila ce soir? So the question is, the film was made 25 years ago, but it's a film that's still very current, and I'd like to ask you what you think of the events with Le Pen, events with Trump, and what would you say to Jamila today? Alors, le secret de Jamila est plus sexuel que politique, hein? So, for starters, Jamila's secret is more sexual than it is political. Mais peut-être le secret de Jamila peut-être aiderait Trump et Le Pen à avoir une vie plus douce, plus calme. But who knows, maybe Jamila's secret would help Trump and Le Pen have a more gentle, quiet life. Et en fait, c'est vrai que la phrase qui me vient, c'est cette fameuse phrase, alors on, de temps en temps on l'attribue à Elie Wiesel, on l'attribue à Victor Hugo, on l'attribue à Churchill, qui est que quand on ne connaît pas l'histoire, un pays qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Et vraiment, c'est incroyable, parce que les problèmes qui nous concernent sont absolument identiques, et la façon de les traiter est absolument différente. C'est-à-dire que je me retrouvais à Montréal, là, parce que je vais faire un show à Montréal, et j'avais un syndicaliste, comme ça, dans le talk show, qui était aussi très, très populiste dans ses propos. Et je me rendais compte que c'était quelqu'un de sincère, qui aimait les gens, qui comprenait le problème et le malheur des gens. La seule chose qui nous différenciait, c'était la méthode et la solution pour que ça aille mieux. So it does make me think of this famous sentence that's sometimes attributed to Elie Wiesel, sometimes to Victor Hugo, sometimes to Churchill, which is that a country that doesn't know its history is fated to repeat it. You know, it's incredible to me because the problems we have are identical. It's the way that we respond to them and deal with them that is different. I was thinking about this recently. I was in Montreal because I'm doing a show up in Montreal, and I was doing another of these conversations with people, and there was a guy from a union there who was very populist. And I realized that this was a guy who was completely sincere, who liked people, who understood the problems that they have, and that the only difference between him and me is a difference in the method that we have of addressing these problems and the solutions that we suggest to them. Donc on était dans un talk show télévisé très connu là-bas, et on se rend compte qu'il y a deux possibilités, ouvrir les bras ou se refermer. Et là, évidemment, ce qui concerne Trump, ce qui concerne Le Pen, ce qui concerne aussi l'Autriche, il y a beaucoup de pays comme ça où on se retrouve, c'est qu'on peut imaginer qu'on va aller mieux si on se referme sur soi. Voilà. Alors, moi, je vais dire que ma vie, mon expérience, mon combat, ma lutte, ça serait pour ouvrir et ne pas fermer. Voilà. Alors, après, chacun voit ce qui l'intéresse, mais quand on se ferme, il ne va rien vous arriver de mal, mais il ne vous arrivera rien de bien. Donc, je laisse la possibilité à l'ouverture pour justement aussi que les bonnes rencontres, que les belles choses, que ce que peut nous apporter l'autre puisse me pénétrer encore, et c'est pour ça que j'ose ouvrir les bras. Et si j'ai ouvert mes bras et que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, à ce moment-là, se protéger. So we were on a talk show, a famous talk show in Montreal, on TV, and we realized that there's two options. You can either open your arms or you can close in on yourself. And what we see with Trump, with Le Pen, with Austria, with quite a few countries at the moment, is that there are people who imagine that, in fact, it might be better if we just close in on ourselves. And what I can say, based on my life, on my experience, on my struggle, is to open up, to open my arms. I think that we can find, if we close in on ourselves, if we shut everything out, nothing bad will happen,
but also nothing good will happen. So what I've gone for is to allow the possibility that you have when you open up to others, that you allow the possibility of meeting someone good, of having something beautiful happen, and if opening your arms leads to something bad, then that's the moment perhaps when you protect yourself. Je ne sais pas quelle est la phrase qui correspond à « on n'est pas chez les bisounours ». C'est une phrase que je ne sais pas comment on dit ça en américain. So the sentence « on n'est pas chez les bisounours » that Patrick would like to mention is literally « we're not here with the care bears ». So it's basically saying « everything isn't warm and fuzzy ». Et le Dalai Lama est un bisounours. And the problem is the Dalai Lama is a care bear. He's warm and fuzzy. Donc il prône l'amour, il est là, les bras ouverts, il est là, pacifique. Et personne ne veut le rencontrer. This is a man who speaks in favor of love, opening your arms, pacifism, and no one wants to meet him. Parce que tout le monde a peur, vu qu'on n'est pas chez les bisounours, du problème qu'on aurait avec les Chinois. And everyone is scared because we're not dealing with the Care Bears, because we're not in a warm and fuzzy world, that if we met the Dalai Lama, we would have problems with the Chinese. Et donc ça m'amuse beaucoup de voir à quel point l'amour est une force immense. So it really amuses me to see to what degree love is a powerful force. Et que quelqu'un qui aime autant pose autant de problèmes. That someone who loves so much can create so many problems, can be so feared. All right, are there other questions in the back as well? Comment est dans une salle intime? Vous pouvez nous dire les secrets de Jamila? The question is, since we're in an intimate setting, can you tell us Jamila's secret? C'est pas faute de le chercher. C'est pas faute de le chercher. Ah, trust me, I've tried to find it. Le chemin est long. The path is long. Disons que j'ai dû l'approcher. But let's say I've gotten close. Mais pas tout à fait réussir. But I haven't quite succeeded. Je m'obstine et je continue à le chercher. But I'm sticking to it and I'm still looking for it. C'était la question qui revenait le plus quand le film était sorti. That's the question that I was most often asked when the film was originally released. Et on l'a demandé à Colin Serrault. And we asked Colin Serrault. Cherche. Look. Keep looking. Right here, towards the front. Bonjour. Bonjour. J'ai vu le film il y a 25 ans, quand j'avais moi-même 25 ans, et où j'étais dans une période de crise absolue. Donc c'était un film qui m'a beaucoup marqué, en fait. Et en le revoyant aujourd'hui, je me suis dit, il conserve le même mystère. Quand on lit, j'imagine quand vous avez lu le scénario, quand on ne fait que écouter les dialogues, ce film pourrait être une tragédie la tragédie la plus sinistre qui soit. Et donc il y a un mystère autour de ce film pour moi. C'est, et est-ce que vous avez réussi à le voir en lisant le scénario, puisque vous avez dit qu'il avait été suivi scrupuleusement à la lettre. Qu'est-ce qui, d'après vous, donne cette légèreté et transforme en fait toute l'histoire en comédie? So the question is, I first saw the film 25 years ago when it came out. I was at the time 25 years old myself. I was in a period of deep crisis. So it's a film that really marked me. And what struck me seeing it again today is how it has conserved its mystery. And so I wonder, it's conserved its mystery, by which I mean that you could, if you only listen to the dialogues, think that it was the most sinister tragedy. So I wonder if when you read the script, since you said the script was very closely followed, if you're able to detect what it is that makes the film
have this lightness and transforms it into a comedy. C'est vrai que ça m'amène à me poser la question, est-ce que j'ai ri en découvrant le script pour la première fois? That does lead me to ask myself the question of whether I laughed the first time I read the script. Je l'ai trouvé formidable, je ne me souviens pas d'avoir ri, effectivement. I found it incredible, but I don't remember having laughed, actually. Et en fait, toute la comédie là tient sur le rythme. Elle impose un rythme, et c'est pour ça. On a très vite compris, dès le deuxième jour, où je croyais que j'étais viré, moi. C'est pas possible d'avoir autant de prises comme ça. Donc j'avais dit à mon agent, ben, je suis viré, alors qu'elle ne m'avait rien dit. Et vraiment, en fait, il fallait comprendre. On a pris beaucoup de plaisir à interpréter le film quand on a compris que ce n'était pas contre nous. C'est uniquement pour le rythme et la musique. Et donc c'était vraiment cette musique qui faisait qu'on était dans un ton de comédie. La deuxième chose, c'est que... Je suis humain quand même. He says, I am a real human being, actually. It's the rhythm. She imposed this rhythm. You know, the second day, I thought I was fired because I had never seen anyone have to do so many takes. I called my agent and I told him I'm going to be fired. But actually, what we quickly understood and what allowed us to enjoy making the film was that this number of takes was not against us, it was simply to achieve this rhythm. To achieve this rhythm and this music of the film. And that's where the comedy lies. La deuxième chose, c'est qu'elle fait confiance à l'intelligence du spectateur. Elle ne dit pas ce qu'on doit penser, et c'est nous qui, en regardant le film, ou en lisant le script, pensons, et presque, c'est tellement fin qu'on a l'impression d'être le seul à penser ça, alors que chacun pense la même chose, sur l'égoïsme, sur le fait qu'on passe à côté des choses et qu'on ne voit rien, et qu'on est tellement, et là encore, on peut rejoindre encore le Dalai Lama ou le autre, l'ego, le nombril et l'ego. The second thing is that she really trusts the viewer's intelligence. She does not say what we have to think. She trusts that we're going to see it or read it, if it's the script, when we see the film. And it's so subtle, in fact, that the viewer has the impression that he or she is the only one to think this, when in fact, all of us are thinking it. And it's these questions of egocentrism, missing things in life, and that brings us back to the Dalai Lama and the other guy, which is this eternal question of ego, ego, your belly button, ego. Non, mais vraiment, d'ailleurs, la première fois qu'elle m'a vu, aux premiers essais, enfin, je veux dire, quand on avait répété, les premiers essais, maquillage, coiffure, elle m'a fait crêper les cheveux tout de suite. Et moi, qui viens d'Afrique du Nord, j'ai passé mon temps à les plaquer, hein, pour pas que ça frise, hein. Et là, j'ai compris que ça allait être dur, comme tournage. Et juste, je reviens, j'avais vraiment les larmes, hein, parce que crêper, pas friser, crêper. Jackson 5, quoi. Et là, je regarde ma tête, je trouve ça horrible, terrible pour moi. Et j'arrive, et elle me regarde, et elle me fait, comme tu es beau, mon nounours. Et je me suis vu beau dans ses yeux, et pfft, ça roule. So, when we started doing the first tests for it, with makeup and hair, she started to work out my hair, curl it out. And, you know, I come from North Africa. I spent my life smoothing my hair to avoid having it be curly, and I just told myself, this is going to be the hardest shoot of my life. I mean, I had tears in my eyes, you know, and it wasn't just a little bit of curling, it was really like working it out like Jackson 5. I felt terrible, like it was going to be horrible for me. And then Colleen came and she saw me and she said,
how beautiful you are, my teddy bear. And then I felt all right. Et c'est la première leçon de la vie. On est beau quand on est beau dans le regard de l'autre. And that's the first lesson of life. One is beautiful when one is beautiful in the eyes of another. Et c'est pour ça que le premier film que j'ai réalisé, quand j'ai fait Quasimodo de Paris, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris, et que je jouais le monstre, et en fait, on est monstrueux que quand l'autre vous le dit. Parce qu'avant qu'on ait ce verdict dans le regard de l'autre, on n'est que dans le regard de sa mère. Qui vous dit que vous êtes sublime. And so for instance in the first film that I directed, Quasimodo, Notre-Dame de Paris, the monster, you know, you're only monstrous when someone else tells you that you're monstrous. You're only monstrous once you see that verdict in someone else's gaze, because before that, you just see yourself in your mother's eyes and she tells you that you're magnificent. We have time for one more question. The lady in the front, who is... Yeah, thank you. Hi. I saw you last year in a play with Thierry Lhermitte. And this year you brought a new play. It's a stand-up show, one-man show. My question is there a genre that you prefer? Would you like a one-man show or you like partners in the play? And which partners would you do you like? And maybe somebody you haven't played yet and you would like to play with them besides Vincent Lindon, because we know that you're friends with him. En fait, Je suis dans vraiment le ici et maintenant. Donc, quand je suis là, d'abord, vraiment, j'étais extrêmement touché aussi d'entendre les rires immédiats sur ce film. Pour moi, ça m'a provoqué comme... Faut savoir ce que c'est que le rire, comme énergie que vous donnez, vous nous donnez. Et tout de suite, ça m'a reboosté. Voilà, et je suis heureux de savoir que vendredi, samedi, je vais faire autre chose. Et ça va... Je n'ai aucune préférence, à part que je veux être bien là où je suis. Et quand je suis avec Thierry Lhermitte, et en plus, pas dans une comédie, dans un tragique, j'ai énormément de plaisir. Je suis chanceux. Je suis un privilégié. Et j'en ai conscience chaque jour, c'est pour ça que je suis heureux là où je suis. Et quant aux partenaires, évidemment que la découverte fait que c'est à chaque fois un nouveau terrain de jeu, et qu'à chaque fois, là, je viens de finir un film avec Valérie Lemercier, et j'étais très très heureux, encore une femme qui sait... Alors c'est vrai que les partenaires féminins, on a... comme dans la cour des garçons à l'école, quoi. C'est très agréable, on rigole beaucoup. Partenaire féminine, elle va aller chercher des choses chez moi et elles ont le secret de Jamila. Vraiment, elles vont me... On se sent, mais... Waouh, c'est une grande chance pour moi. Les femmes m'ont toujours tiré vers le haut. Au cinéma. C'est pour ça que j'aime mon métier. I'm someone who lives in the here and now, and I have to tell you how moved I was to hear the audience's immediate laughter here with this film. You know, you have to be conscious of this incredible energy that you give us with your laughter. Right away, that reboosted me, made me feel better. And I feel great to know that Friday and Saturday I'll be here and I'll be doing something entirely different. You know, I have no preference. I just know the one thing that's important to me is to feel good where I am. So, as far as partners, when I'm acting with Thierry Lhermitte, especially when we're not playing a comedy, when it's a tragedy,
that gives me great pleasure. And I know how lucky I am and how privileged I am. I'm very happy where I am. Another thing about partners, it's true that discovering something, someone new, always brings you into a new game, into a new terrain. So for instance, I just finished a film with Valérie Lemercier, another woman, and I have to say there's something about working with a woman, you know, it's like when you're in the boys' yard at school playing, that's a lot of fun, but there's something that women, they find things in me, and they do have Jamila's secret. I mean it, they really do. I'm really lucky in that way. Women have always brought me up. They've pulled me higher in cinema, which is why I love my job. Si j'avais été au cinéma, j'aurais coupé la dernière phrase, je trouve que... If I had been making a movie, I would have cut the last sentence. It wasn't as good. C'est pour ça que c'est une grande chance de faire le métier que je fais, c'est qu'on peut écrire l'histoire comme on veut, quoi. Pas dans la vie. That's why I'm so lucky to do the job that I do, because you can write the story the way that you want it, which is not the way things go in life. Well, thank you so much, Patrick. Merci beaucoup à vous. Thank you very much. Et vraiment, je le remercie parce que... J'aurais jamais cru qu'il y arriverait. I never thought he could have done it. And please do join us on Friday or Saturday for a Patrick Timsit show.